en pile parole, en pile montée descente en fait dans le niveau palmaïtien, dans le niveau subissantien là. Et tout le monde est capable de lire l'information sur tout réseau social, le côté, et yon éventuelle installation Joseph Lambert comme président en provisoire pays à Napalm. Ben, nouvelle là, t'es couru sur tout réseau, yo, hier soir, m'a dit, Joseph Lambert, t'es sur route pour installer Napalm haïtien comme président provisoire. Bien bonnet, journaliste, t'es guetté sur place, militant proche sénateur, t'es guetté envahi Napalm haïtien. Même Jean, la caille président, tiré sénat, nan niveau Delma, à 40 B comme ça. Tout est gagné en pile monde, en pile machine, en pile monde qui était présent là, qui était dit avec Joseph Lambert, mon chem, là, oui, il est arrivé là, pas oublié, non, même son petit job en mairie pour moi, quand même. Ça qui était créé gros embouteillage, en pile balle qui chanté dans la zone parlement, pour nous dire bien subi centenaire là, car tout c'était fait, quelqu'un en bas, et ça ne capable dit, mais installation pas privé faite. C'est en bas, gros difficulté, journaliste avec reste monde qui était récité en bas, pour nous dire bien, local parlement ici. Nous apprenons installation à même li renvoyer pour matin mercredi a une information n'a continué s'y veiller nous même dans équipe la salle nouvelle radio méga pour auditoire radio méga et quel que soit les la fête là pendant journée 1 radio méga en direct et n'a ba nous toute dernière information sous question installation Joseph Lambert là m'a regardé la fois dernière par contre si c'était confirmé bon je suis certain côté qui dit moi si Joseph Lambert m'installer tête moi à l'installer tête moi gal effectivement rapide l'idée politique qui t'a même dit ça. Oui, qui était dit sur Joseph Lambert à l'installer parce que je veux dire, Palma, c'est l'institution légitime qui était là. Mais quand il y a là, j'aime parler à barre la dispositif de sécurité à que j'en. Lambert Fondré? En tout cas, Lambert, c'était Yaba Napalma, il a prêté. Il a fait bureau de Napalma. En tout cas, c'est ça comme nouvelle là, il y a là, pile monde t'attend, il a demandé sa capacité dans le pays, il y a sa capacité au niveau de ça. Il y a là, il y a des besoins qu'on a sacré gagné, et bien il y a appris c'est Joseph Lambert avec toute l'équipe qui t'a prêté à l'installer et en bas comme président provisoire. Bon, il n'est pas arrivé fait, j'en dis. Il dit bon, il était fait pour matin mercredi là. En tout cas, n'a suivi pour nous connaître qu'effectivement Joseph Lambert arrivé installé dans le niveau palmaïtien comme président provisoire pays. Non, matin signé accord protocole entente nationale qui tape que Joseph Lambert avec Ariel Henry te baillon conférence pour prendre distance avec accord Ariel Henry. Marie Denise et Claude fait connaître pays en besoin accord qui pillage pour intégrer plus secteur. Si a été attaché à un exécutif à deux têtes pour gérer crise ça d'après Marie Denise et Claude qui fait connaître. Entre temps, il a continué à chercher consensus pour jouer un accord inclusif pour finalement redémarrer pays. En côté, Marie Denise Claude. Nous-mêmes, dans peine, je dis à tous les dirigeants peine, nous voulons faire contre nation en connaître. Nous étions debout, peine là, li debout et li rete avec même préoccupation. Peine campé pour dire que nous là, nous avons travaillé pour nous être comment nous sommes capables d'établir un exécutif bicéphale dans le pays. Parce que c'est important, nous pensons que dans sa situation paysan et là, je dis, nous avons besoin d'un chef de l'exécutif qui soit président, nous avons besoin d'un premier ministre. Mais pour nous arriver là, mesdames, messieurs, nous pensons que faut que nous gagnions un accord inclusif qui gagne en pile monde la donne, mais nous avons cherché à arriver un consensus suffisant. Bien sûr, qui ça nous est le consensus suffisant? C'est parce que, ou pas, M. Gagné, ça nous est l'unanimité, moi-même, comme sociologue, j'ai toujours peur d'unanimité, parce que des fois, on parle de l'unanimité, on parle de l'idée unique, et nous ne croyons pas que c'est bon pour la démocratie que nous choisissons. Donc, je dis un message que nous voulons faire avec toute population haïtienne. Hein? Depuis 9 juillet, les peines ont été proposées, solutions qui ont été proposées jusqu'à aujourd'hui. Les peines ont été debout, nous avons continué à travailler avec la population, hein? Nous avons continué à parler avec l'autre groupe pour nous être comment nous sommes capables de river, joindre un accord inclusif que tout le monde la donne. Consensus, ça, c'est mettre les familles haïtiennes en confiance pour nous résoudre des problèmes que nous ne sommes pas capables de continuer là-dedans, que ce soit au niveau sécurité, parce que je dis, on n'a pas de niveau sécurité. Il y a des gros problèmes que nous avons dans le Grand Sud. Mais nous avons besoin d'un ensemble de monde. Il faut nous garder la question ça ensemble. Il y a un petit groupe pas qu'à faire pour col. C'est pour ça que nous-mêmes, malgré que Pennan t'ait proposé une question, aujourd'hui, nous pensons que faut que nous continuions à parler avec l'autre. Il faut que nous voyons comment nous sommes capables de mettre toute proposition ça ensemble pour trouver l'accord nécessaire pour nous. Capable de garder tout problème, ça, la sécurité. Combien de millions de monde, je dis, qui sont au chômage, qui n'ont pas à manger. L'école va l'ouvrir. Est-ce que vous savez que dans pile parents qui ne connaissent pas comment ils vont l'ouvrir petit à l'école? Et l'État n'est pas en mesure, même vous le dites qu'il a l'école à pourvir, parce que justement,
nous besoin cet accord inclusif qui pour faire nous gagner un consensus suffisant pour nous adresser les différents problèmes que nous avons fait face comme nation. Donc, c'était important. Nous donnons tout dirigeant Peigno pour que nous ayons fait adresser à la nation pour nous dire nous que nous sommes là, nous avons continué le travail, nous avons continué à chercher plus de consensus pour adresser les problèmes payants et proposer vraiment un accord inclusif. Voilà, déclaration Marie-Denise Claude. N'a pas rappelé ancien député Serge Jean-Louis, ancien député à Aude Bien-Aimé, René Civil, militant politique, dirigeant parti politique tout, ancien sénateur Yuri Latortue, c'est quelqu'un parmi acteurs qui était présent dans le cadre de la conférence. N'a pas si allé, ancien sénateur Sorel Jacinthe, membre unité, lui-même y accroché, à accord à Galenri, à côté de l'été présent samedi qui était 11 septembre passé, à la résidence officielle PM Nana Musso, côté le sien, unité sien accroché, et Ariel Ria, alors que Marie-Denise Claude lui-même puisse montrer le bon côté à quoi Bicéphale là, pour nous dire bien, ni pour accord et Joseph Lambert comme président en provisoire. Là, ça veut dire, et il y a un monde qui t'a dit là, et bien, en pile acteur là, a joué plaisir SL4, hein, qui n'a Ariel et qui n'a Lambert, sauf façon pour pas d'ailleurs même, hein, pas d'ailleurs même dans sa cabane là. Oui, tout côté a joué plaisir terrain là, en tout cas. Et il y a un monde qui m'a dit, est-ce que vous pensez à les SL4 PEP haïtien, dans tout ça qu'a fait là. N'a venu avec nous pour la presse, côté commission cap solution haïtienne en crise, non. Les mettons pour la presse de Yo, Nada qui était 14 septembre 2021. On allait rapidement dans la commission pour chercher une solution haïtienne en crise, non. Vous un gros coup de chapeau pour 43 parties avec un regroupement politique qui était délégué dirigeant pour venir choisir entre Yo, trois représentants partis politiques. Yo, dans le bio suivi accord 30 août 2021. Commission ensemble avec l'Assemblée a été posé quelques conditions pour choix Mamio et n'a pas gardé conditions ça qui ça y est. Compétences professionnelles académiques, intégrité, disponibilité pour travail sans salaire, esprit d'équipe, compréhension en GIO, dans le conjonction avec pour avenir pays d'Haïti, monde qui pas mêlé dans aucun crime, parti politique qui est défini, mécanisme pour faire choix, il a composé trois groupes avec candidatis volontaires, après un moment, échange d'un respect une pour l'autre, rapporté chaque atelier, procès verbal atelier, yo, pour proclamer non moun qui désire yo. Yo retourné en assemblée pour mander si ge contestation sous non yo. C'était un bel exercice démocratique. Commission capable dans notre salle, mes amis. Ingénieur Hens, tout le monde connaît son nom, Néné. Et Mathurin, architecte Leslie Voltaire, ancien et député des Dunes, qui c'est Baudelaire Noël Saint. Ces trois représentants parti politique qui a été nambu au suivi à 4 août 2021 pour solution haïtienne en crise pays noir. Commission a continué de travailler semaine ça avec un secteur populaire ensemble avec organisation, société civile qui parie présenté en la commission et qui signe un accord pour compléter constitution bio suivi. Commission a papa suspend remerciement au comité d'appui qui pas mélanger GFOYO pour mettre main dans travail qui fait pour arriver réussir étape si là. N'a rappelé démarche ça inscrit dans récupération droit grand dette nous pour décider sur avenir pays nous n'a avancé. Vive Haïti. Mon grand plus monde qui signe bamba nous non coordonnatrice qui signe pour commission c'est Magali Como Denis. L'autre information dans le journal La Bataille là après à poursuivre dans le pouvoir pour le ministre révoqué commissaire gouvernement Port-au-Prince Maître Bedford Claude pour remplacer par Maître France Louis Juste ministre intérieur a été installé hier. Nous fait fiance à la ministre Litz qui tel dans une bout de cérémonie qui déroulé dans le local paquet en présence chef cabinet PM nan, ingénieur Samuel Satune. Ministre intérieur a été profité pour explication sur l'égalité révocation autorité au l'État politique qui tel, c'est premier ministre qui a nommé et puis révoqué fonctionnaire public. Le ministère fait, c'est pas délégation pouvoir. Ministère a été confirmé, ministère de justice révoqué, même si pour qu'on ait arrêté qui remplace le. En côté, ministre intérieur, l'État qui tel. 5h45. Bon, je ne sais pas au courant, mais le règlement de la fonction publique fait que c'est seul le premier ministre qui peut nommer et révoquer les fonctionnaires de la fonction publique. Quand un ministre nomme quelqu'un, ce n'est pas délégation de pouvoir du premier ministre. Donc, nous avons consulté l'autre monde, moi-même, pour autant que je sache, parce que j'ai près de 25 ans de travail dans l'État, c'est ça que je connais.
Et c'est pour ça, ouais, en pile fois, au ministère de l'Éducation nationale, qu'on a une équipe, moun, nous tendez que mettez un bureau de l'été mal nommé, nous ne savons pas même arriver à toucher. Pas vrai? Parce que, il pas recevoir une délégation de pouvoir du premier ministre pour le décapant professeur ça. Donc c'est un bar qui est bien simple. Le premier ministre a mis à pied le commissaire du gouvernement. Il a choisi un substitut du commissaire du gouvernement pour faire assurer l'intérim. Donc nous juste accompagner Lila pour nous constater que le prend charge et puis il a continué de travailler. Qu'en est-il du ministre de la Justice? Vous êtes confiant qu'il est démité sa fonction? Bon, au conseil des ministères, le premier ministre a annoncé qu'il était démis de sa fonction. Lui-même? Le premier ministre a annoncé que le ministre de la Justice était démis de sa fonction. Ah, okay. Même j'ai nommé mon CGAI, nouveau ministre. Bon, moi-même, beaucoup m'ont arrêté qui pourrait mettre moins dit que bon ministre. Mais la seule chose, c'est qu'on annonce que lié. Ok, maintenant, à la minute qu'on annonce, pour qu'à. Et pour qu'à bah, conclure. Ouais, donc de toute façon, nous pas là pour ça aujourd'hui, hein? Donc nous avons campé là. Après, parce que nous disons que c'est bon confiance. Ça c'est déclaration ministre intercollectivité et territoriale Léolide Skitel qui était et alors procédé à l'installation nouveau commissaire gouvernement et Port-au-Prince dans là qui c'est maître France lui qui remplacé dans pour ça et maître Bedford Claude Jean Didia nous dit pas dans même journée en Bedford Claude écrit responsable immigration pour Madel interdit premier ministre Ariel Henry quitter pays hein. Et bon bon lit rapidement pour nous qui ça a été écrit dans net ça dans ça a été demandé avec et directeur service immigration et émigration, République d'Haïti, ministère justice et sécurité publique, paquet tribunal premier transport de presse, et date qui était 14 septembre 2021, monsieur Joseph Antoine Chili, directeur immigration et émigration, commissaire gouvernement, prêt tribunal premier transport de presse, les présidents et compliments et le voyer Riquet Sabaou pour passer l'instruction nécessaire côté service concerné que ou même ou à diriger à là pour que monsieur Ariel Henry, qui demeurait et domicilié à Port-au-Prince, identifié par numéro NIFLI, qui c'est 003-147-929-5, pour ne pas quitter le pays, soit dans la mer, on ne dit pas bateau, et non. On ne dit pas par train ou bien par machine pour ne pas quitter le pays. Hein? Maritime par la mer pour ne pas quitter le pays par la mer. Et tout pour ne pas quitter par voie aérienne comme si question et avion, tout ça. Yo. Et mais hélicoptère, ou jet, ça pour ne pas quitter le pays même. Et pour le rester sur le territoire national, hein, puisque c'est une les présomptions graves d'assassinat qui blané sous dolé sur question assassinat, c'est le président Jovenel Moïse. Dans. Et selon l'article 240 hein, qui est code pénal haïtien, hein, puisque il y a un soupçon sur ça, et bien l'important que dans quatre travail qui a fait, faut que yo attendez ministre, bon premier ministre malheureusement bon, il était pas là pour le tendre encore, mais l'été mettait mes interdictions sur ça pour faire super capable tendre premier ministre. Eh bien c'est mais ça c'était l'être ça oublié et ben faut clôturer écrit avec directeur immigration et émigration Joseph Saint-Chili, mais dans l'après-midi quelques heures après autant de mettre là révoqué et remplacé bien rapide. Oui, c'est révoqué remplacé immédiatement. Et n'a pas gardé toujours là l'autre information j'en dis dans le même dossier ça. Et bien selon Santé apprend tout gagner secrétaire général la parle national là qui lui-même qui peut transférer et ça dans presse nationale la décision a été prêt pour révoquer ministre de justice avec secrétaire général conseil ministériel et on a parlé de Renal Lubéris. En attendant que Lionel Valbrun lui-même subit sa la pression clan PM nan, et Jovenel Issio selon information. Ça veut dire la grande pile bataille qu'a fait là. On question un bon jovenéliste, un bon bah, mélanger mes amis. J'aime mieux remédier là. Mais dans tout ça là, en plus, on a posé question côté peuple haïtien dans tout ça. J'en ai dit dans le titre journal là, compagnie téléphonique digicelle, il dit que il n'est pas capable et dit mais ça qui te gagne dans la conversation, mon yo. Reprend, mais il est capable dit et mais qui est-ce qui te placé à appel, mais à qui est-ce maintenant parler. Bon, on a venu avec ça en détail, tout au talent comme ça. Mais on va avec différents autres acteurs dans la société civile, là, mais syndicalistes, dans le secteur syndical, dans cette situation, pays à connaître dernier temps, ça y est. 5h50. Secrétaire général Confédération travailleuse et travailleuse dans le secteur privé IVL, tu admets qu'il t'a intervenu sous un dossier ça. Quoi, commissaire gouvernement Port-au-Prince, pas qu'à intervenir dans le dossier ça. D'après analyse, il souhaitait pour le mieux faire sous dossier ça pressé. Il y a une façon pour tout le monde qui a soupçon sur eux capable d'éclaircir. Un côté IVL, tu admets dans micro, Blaise Peterson. Bon, d'accord. Nous croyons que ce sont qui ont été indiqués
avec tout groupe qui s'est accroché index. Donc là, tout ça aussi des problèmes pour nous essayer d'éviter, pour nous essayer de garder comment on peut résoudre. Et moi-même, je crois que il y a des suites en avant qui fait, parce que le dossier a des un bon cabinet de fiction. Le dossier a un bon cabinet de fiction, toute information qui nous autorise à l'idée qui soit commissaire du gouvernement, il n'y a pas gagné le pouvoir encore pour lui continuer à faire tant de monde. Donc, nous, pour tant de monde, nous, faire l'information gagnée, c'est transmettre pour transmettre. Bah, juste de ce que je vous dis, alarme de pouvoir indice. Indice ça, à travers notre équivitoire. Pour lui permettre que Lydie, donc, nous ait découvert, donc, Mathieu, attention, pour aller sous Pissa, Pissa, cabane aux solutions. Donc, c'est ça que ça nous dit. Là, il y a des interventions qui sont publiques, donc, c'est des interventions précipitées qui, par exemple, donc, c'est ça que ça fait, nous-mêmes, nous n'avons pas un peu dans dynamique à nos côtés, tout le monde est sous son. Donc, il faut que la situation éclaircie. C'est ça qu'on nous dit, que juste l'instruction, hein, qu'il allait vite. Pour que même qui est sous son, qui est des gens qui sont sous son qui est financé à quoi, ou bien t'as coupé les mains, ou bien t'as sous son, puisqu'il t'a échangé avec un autre fugit, même que la police a recherché. Donc, qu'on y a, faut-il dire que le suspect, faut-il dire que le juge d'instruction allait vite, mais ce n'est pas pour ça, c'est un œuvre commissaire gouvernement, puisque nous sommes déjà dans le cabinet d'instruction. Donc, nous côté, tout ça, il faut qu'il discute. Qui vous permettent de nous agir avec sérénité dans la question. Donc, en plus, il y a des moyens qui disent, lorsque c'est un chef du gouvernement, il y a une procédure pour qu'elle aille agir. Toujours dans le même dossier, ça, gagné un juge d'instruction qui a instruit dossier ça là. On a dit bien qu'il s'est Gary Aurélien, mais qui a mené dossier sur l'assassinat, c'est président Jovenel Moïse Dantan de Ayama Dian, c'est responsable Katim Nan, qui c'est Paul Eddy Amazon. Une audition qui dirait des états, deux parmi avocats qui ont été refusés partagés avec un journaliste, ça qui était dit dans le cadre d'audition, mais croyez que client a partagé en pile l'information, bah, juge Gary Aurélien. Nous invitons de côté une après l'autre, maître Stanley Lafortune à maître à Bédi Daphénis pour plus de détails. Donc, je ne sais pas comment on de plus. Le dossier. Non, mais nous connaissons le dossier. Ça qui est important, nous connaissons, je suis tenu au secret d'instruction. C'est cardinal qui caractérise l'instruction. Donc, je ne saurais dire rien de plus. D'accord? Est-ce que, comment ça a été l'audition? C'était dans quelle ambiance? Non, mais l'audition, tout fait, c'était cordial, correct, tout ça. Donc, est-ce que le client a gagné pour retourner devant le magistrat? Donc, c'est le magistrat qui a décidé tout ça. C'est pas moi. Donc, premier interrogatoire fait, on a suivi jusqu'à ce que si on a fait d'autres interrogatoires, si on a brûlé encore, on a toujours là pour assister. Je ne vais pas dire qu'il y a davantage, puisqu'on connaît que le secret d'instruction caractérise cette phase du dossier. Mais pas. Correct, mais ça, par rapport à quel charge ou qu'un bé contre client qui sont cadis, je ne peux rien dire. Le secret d'instruction, mon porteur on sera. Parce que, excuse-moi un moment, comme professionnel, comme avocat, bon, même si je ne suis pas jeune, je suis avocat expérimenté, parce que je suis jeune dans la profession, et à chaque phase, il y a un comportement pour moi comme avocat. Si par exemple nous devons faire le jugement, nous avons un comportement, nous avons parlé, etc., nous avons pris beaucoup, nous avons dit d'autres bagailles. Mais en face, ça n'est pas là, encore. Comme nous assistons, nous avons trois avocats qui ont assisté l'OCA, nous avons la tour, en principe, nous avons passé suivant les règles de l'art, et qu'on n'y a pas qu'à dire davantage, puisque nous connaissons secret, la loi de l'omerta. Je ne sais pas encore, c'est au juge de décider. Donc, maître Stanley Lafortune a déjà précisé, vu que le secret de l'instruction, parce que l'instruction est secrète, non publique et non contradictoire, et client nous, en cas d'instruction que le juge a fait dans le cadre de dossier assassinat président, lui répond à toute question qui juge utile et nécessaire pour le juge là. À ce moment-là, nous pas gain pour nous faire trop de commentaires dans le cadre de dossier à vu le caractère secret de l'instruction. Nous aurons à produire une demande très prochainement et le juge là, pour ça pour le faire, les demandes là soumettre à lui-même. C'est pas. Et il est trop tôt, attendez, parce que le juge là a gain plusieurs monde pour le travailler dans le cadre de dossier ça. Ça, c'est client noir pour les Amazon qui est responsable Katim. Juge là, dans le cadre de responsabilité, le juge là a été jugé important pour le temps d'elle et lui répondre à toutes questions
convenable et dans le cas d'instruction. Mais par rapport à l'accusation qui a pesé sur nos clients, on parle avec lui, ça le bon, et moi-même, je suis étonné parce que moi, dans le cas de dossier, je reproche à Paulette Amazon de tentative d'assassinat sur Madame Président et complicité d'assassinat que nous-mêmes nous nier catégoriquement. Et au cours de l'instruction que le juge là, comme ça l'a fait, et là, pendant le lancer. Et nous, est-ce qu'il vous permet? Oui, mais ce n'est pas pour le moment. Très prochainement, et après, invitez-le encore. Okay. Merci. 5h55. N'a toujours été sous même dossier sa divers militants parti haïtien tête calé planté piquet yo ailleurs devant ministère justice et sécurité publique dans l'idée pour mander responsable dans la justice prend toute disposition pour permettre ancien président Jovenel Moïse joindre justice comme ça doit. Militants ont encouragé ministère justice en prend responsabilité dans dossier ça un côté qui Jean Saté dans mes collègues Gauthier. Nous pas gagne pays réserve, nous pas gagne côté pour nous aller, nous pas gagne passeport, mon ça on pas goumer. Si le président Jovenel là, il y a un pays en réserve. Madame, il va à Haïti. Petit, il va à Haïti. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas quitter notre côté pour nous aller. Qu'est Haïti? Nous ne pouvons pas quitter notre Haïti. Nous ne pouvons pas quitter notre assassiné président Jovenel. Il a assassiné Vichol. Il a assassiné. Il a détruit la ville. Lâche-moi, lâche. Et puis, je vous le dis, c'est même nous avec Ariel Henry qui a fait bruit sous dos nous. Il a fait bruit président Jovenel déjà. Nous ne pouvons pas accepter pour faire bruit nous avant. Parce que c'est nous, parce que c'est haïtien. Nous ne pouvons pas quitter notre réserve. Nous disons en bas. Mais nous Ariel Henry, nous venons rendre nous rapport. C'est un avec Badjo. Avant le président Jovenel Moui, et après le président Jovenel Moui, c'est un avec président avec Badjo. Parce que le président Jovenel dit, il va rien des boss, il se doit signer. C'est pas haïtien. Je ne jette pas, tout le monde imagine justice pour le président Jovenel. Nous dans la rue. Nous dans la rue, jusqu'au bout. Pour nous faire justice pour le président Jovenel Moïse. Je le dis à la demande de justice pour le président Jovenel Moïse, mais spécialement la demande de justice pour le peuple haïtien. Parce que pour ça, la demande de justice pour le peuple haïtien, parce que le président Jovenel n'a pas travaillé pour Tetli, il a travaillé pour la nation. Parce que si le président Jovenel Moïse n'a pas travaillé pour Tetli, le groupe Nexogénère, il a devenu au fil de millions de dollars. Il a devenu au fil de millions de dollars le mois pour le quitter et contrat sa nom. Le président Jovenel Moïse, il a signé. Mais il n'a pas signé, c'est parce qu'il a une vision pour le peuple. Il devait laisser le peuple dans la saleté qu'il y a. Mais il a assassiné le président. Je dis à la demande de monsieur Ariel Henry, quittez pour ça pour nous, nous n'avons pas besoin. Et si vous comptez, nous besoin Ariel, nous besoin de pénitencier. Parce que faut vivre qui s'en a parlé avec Badio. Et nous, au pays comme Haïti, c'est ça l'Haïti. Aujourd'hui, pour nous, André Michel, le pas marine. Parce que André Michel te dit, il y a eu pour assassiner le président pour réaliser ce jeu d'avion. Et même André Michel, ça, il te dit comme ça, c'est Barbecue qui te fait le président Jovenel Moïse nommer Ariel. Même André Michel, ça, je dis à c'est lui-même qui dit Ariel Henry, il y a 25 ans depuis 100 000. Encore, nous parlons encore. Si vous avez encore qui vous signez, nous ne pouvons pas de problème avec encore. Mais tout autant que le président Jovenel Moïse, depuis la fin de ce projet, c'est le complot pour le dire au président Jovenel Moïse. Aucun monde ne peut parler encore avec Ariel Henry qui a boumé pour le passer juste sur le Jovenel là, en bas plan pied. Je ne dis à la ministre Félé qui lance son mandat pour le ministre Ariel. Il sortit pour le révoquer le ministre Ariel. Et là, le ministre Félé, pour responsabilité, ils sont ministres de la justice, ils vont mettre sous tutelle Ariel Henry, que le peuple a pris note, que vous arrêtez Ariel Henry, mais elle pénitentiaire pour nous. Belle faute, pour responsabilité, arrêtez Ariel Henry. Trina Ariel Henry, pénitentiaire pour nous. 6 heures. Voilà, ça c'est voix diverses militants parti tête calée haïtien qui eux-mêmes te l'ont piqué ailleurs. Mardi devant local ministère justice et sécurité publique pour demander responsable dans la justice après toute disposition pour permettre ancien président Jovenel Moïse joindre justice comme ça doit. N'a toujours été dans le même dossier ça. Nous apprenons que Martine Moïse, ancienne première dame non veuve de Marie-Lise Jovenel Moïse qui citait pour paraître devant la justice dans le cabinet d'instruction pour me dire bien devant juge Gary Aurélien, lundi 20 décembre, qui a venu dans le cadre d'assassinat qui fait sous Marie la Jovenel Moïse. Juge instruction, maître Gary Aurélien fait demande là à un commissaire gouvernement dans une ordonnance. N'a toujours été dans le même dossier, sa jeune dédié l'Italia là, gagne notre précision ça, compagnie et JCL mettez deux yeux. Donc, la précision ça, Jean compagnie à lui-même, lui écrit là. Notre précision, JCL a fait tout le monde connaît. Il gagne et quatre mandats, ça l'écrit à là.
Premièrement, il n'y a pas accès à aucune conversation client, que ce soit appel, SMS, bip, WhatsApp, signal, Telegram et la trier. Numéro 2, l'ikawe qui numéro qui relé, qui l'ikawe qui numéro qui relé, qui numéro à qui les appels la fait et puis qui côté mounyo yé. Mais il n'est pas possible pour qu'on paye entendre qui ça mounyo a dit dans appel. Techniquement, il n'est pas possible. Troisièmement, Jean Laloi mandé et puis décrit ça. Digicel, tout l'autre opérateur télécommunication, gay pour obligation collaborer avec la justice. Digicel toujours été dans ligne la loi tracée. Et compagnie fournit la justice toute information qui est demandée selon la loi. Pour finir, Digicel, c'est une compagnie privée, la assurée population en général, qui l'a toujours collaboré avec la justice, Jean la loi prévoit pour sa fête. Merci. C'est ça, Gisèle même dit, dans notre précision, ça que le mettez dehors, sous parole qui a dit, sous détail, qu'en plus, monde besoin qu'on ait, soit appel qui était gagné entre le premier ministre Ariel Henry à l'époque qui était nommé, avec, une cerveau assassiné dans ses présidents, Jovenel Moïse, non, n'a parlé de Joseph Félix Badiou, dans même date 7 juillet, non, à 4-3 et à 4-20, que y'a révélé que t'es gagné appel qui était gagné entre deux mondes, ça y'a. N'a toujours été, sous, même dossier, ça, en pile réaction. Action sous dossier si la gain flambeau démocratique qui s'est restrictif politique le proche tête calée qui exigeait démission pour le ministre Ariel Henry après violation de Gisèle qui pouvait le parler avec Joseph Félix Badjo, président flambeau démocratique Jean-Nego Bonheur fait qu'on est l'état pas de gain au monde dans tête li qui gain non le cité dans crime décision sagesse là c'est démission chef gouvernement pour éviter ces populations qui décider ça qu'à plus grave en côté Jean-Nego Bonheur nan, Jean-Philippe Massé. Docteur a te démenti ça. Mais finalement, compagnie téléphonie en Haïti retracé plusieurs appels de 1er juillet à 7 juillet dans le matin assassinat président Jovenel Lan entre deux sadiques qui c'est PM Ariel Henry et Badjo Félix. Depuis, plateforme politique flambeau démocratique quoique la décision de sagesse voulait que PM Ariel Henry tape là encore. Et de fait, nous tapons démission. On lit gentiment. Donc, plateforme politique flambeau démocratique lit clair pour que l'imande tout haïtien en général pour l'humain flambeau démocratique là. Nous, pas supposer un pays qui dirigé par un assassin, nous pas obligé de gagner en république. Moun qui est capable de prendre décision dans nous, c'est un monde qui a un vers sale d'assassinat sur lui. C'est pour vers la tomber d'abord. Le a, si la justice n'a pas gagné pour reprocher Ariel Henry comme premier ministre, l'a retourné. Mais pour qu'on y a là, nous-mêmes, au niveau de plateforme politique flambeau démocratique, nous croyons que la décision de sagesse t'a doué la démission pure et simple. Dans le moment, on a parlé la même de Ariel Henry pour que Pita va venir plus triste. Parce que la population, ça, elle comprend nos réalités. Ou voulez continuer, ou voulez utiliser toute astuce, toute manœuvre dilatoire pour faire passer le temps. La population qui a souffri, une bonne garantie, le pire est à venir. Donc, on va dériver là, nous demander PM Ariel gentiment pour démissionner et le A. La police est capable d'aller fouiller la caille pour qu'on ait est-ce que des bandits de grand chemin que la police a recherché, qui ont mandat derrière, c'est pas caille, Ariel Henry, il y a soin. Si c'est pas là, il y a le caché. Donc nous sommes clairs sur ça. À travers l'État, tout directeur général, tout ministre doit camper pour que Ariel Henry pas représenter nous. Ariel Henry pas parler. Non, non, l'État, jusqu'à ce que la justice capable de trancher sous capable là. 6h05.
Jean-Hugo Bonheur, qui s'est tout coordonnateur ONM, a critiqué le comportement Ariel Henry. Il dit qu'au lieu de démissionner, parce qu'il a révoqué le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, là, et puis le commissaire gouvernement Port-au-Prince, non. Bon, ça a déjà fait, il a déjà révoqué le commissaire gouvernement Port-au-Prince, non. Président Flambeau démocratique, non, mandé reste Sénat prend une résolution pour ne pas reconnaître Ariel Henry comme premier ministre. Reste gouvernement Patadoué prend l'ordre de tout nommer Ariel Henry d'après Jean-Hugo Bonheur. Un côté pour l'autre fois.